Olympia, bonsoir. Comment ça va? Moi ça va, hein, vous savez, bah là, je fais la 75e ce soir, 75e déjà, alors... C'est mon deuxième one-man show, deuxième spectacle déjà. Alors je sais pas si vous vous souvenez, à la fin du premier, Oui, mais tu es mon frère. À la fin du premier, j'avais dit qu'ensuite, je ferais le Stade de France. Presque. Bientôt. On m'a dit, hein, c'est une salle mythique ici. Hein, Olympia, il paraît qu'il y a du lourd qui est passé. Qu'il y a qui? Les chanteurs, là, tout ça, là. Jacques Bruel, qui est passé déjà? Celle qui a le nom, là, vous savez, le nom... marque de voiture, je sais pas quoi, là. Edith Fiat, voilà, ouais. Elle est passée, ouais. Je suis content. Alors, vous savez, en plus, j'étais là en loge, je vous attendais. Bon, je réfléchissais en me filant un coup de peigne. Et j'ai pas réfléchi longtemps, ouais. Et je me disais, c'est quand même cool d'être enfin à l'Olympia, enfin à Paris, surtout, hein. Enfin de jouer dans la capitale, parce que ça faisait un an et demi, là, que je tournais en province. La province... Ah, les ploucs, hein, c'est... Mon Dieu! J'ai choqué des gens, non? J'ai dit les ploucs, je suis désolé, je voulais dire les bouseux. Pardon, hein? Alors attention, je rassure tout de suite tout le monde, je ne suis pas parisien à la base, hein, je crois que ça se voit tout de suite. Hein, on me voit, on dit, tiens, ce mec a l'air d'être de Lyon, hein, et c'est vrai. Mais j'aime tellement Paris, vous savez ce que... Tu n'es pas comme nous. Tu es différent. Mais on t'accepte. C'est la base. Non, mais... Je suis tellement content d'être à Paris parce que, vous savez, j'aime retrouver, si vous voulez, chez les Parisiens, cette joie de vivre sur chaque visage. Vous êtes Parisien, vous? Ouais. On reconnaît, il y a un style, ouais. Et il y a un truc, c'est pas une légende, je crois que c'est à Paris qu'on trouve les plus jolies filles. Ah, c'est pas ultra représentatif ce soir, mais... Salaud! Non, je suis content, j'adore, je suis vraiment content. Et d'ailleurs, j'aime tellement Paris, je me suis carrément installé ici, moi. J'ai acheté un appart, je me suis lâché. Hein. Paris intra périphos. Ah super, en plus j'aime pas trop parler d'argent, mais je vous le dis quand même, j'ai commencé à payer mon crédit l'année dernière, c'est cool, plus que 129 ans, wouh! Ah bah attention, Paris c'est pas donné, hein. Bon bah c'est pour ça que quand je cherchais, j'ai fait appel à des particuliers, et effectivement il y en avait qui étaient particuliers, hein. Le premier appart que j'ai visité était avec poutre apparente, et le propriétaire aussi. D'accord, bien, alors, eh ben l'appart, eh ben ouais, oh, ça manque pas de... je suis un petit peu surpris, hein, je suis un peu surpris, vous indiquez refait à neuf. Ah mais tout à fait, on s'y est mis avec 8 potes, on l'a refait à neuf. Ça manque pas de charme. Ah oui, on a tenu à conserver le charme de l'ancien. Hein. Ah, c'est ça l'odeur, alors. Ouais. Bon, je l'ai pas pris. Hein. Alors, l'appart suivant était indiqué sans vis-à-vis. Et effectivement, pas de fenêtre. Hein. Celui d'après était annoncé avec point d'eau. J'ai cherché, c'était vrai. Point d'eau. Ah, c'est dommage, le suivant me plaisait.
Petit inconvénient, WC sur le palier. Oh. De l'immeuble d'en face. Bon, j'ai pas pris. Mais vous savez, non, mais à Paris, faut savoir persévérer, faut savoir chercher. Et je suis content, je suis enfin tombé sur la perle. Bon, alors attention, hein, c'est pas très grand, hein, mais c'est à peu près neuf. Hein, à peu près 9 mètres carrés. Hein, un demi-pièce, ils appellent ça. Très fréquent sur Paris, un demi-pièce. Oh, c'est comme un loft, hein. Mais c'est grand comme un œuf. C'est un œuf. Et attention, avec poutre apparente encore, hein, et gênante, hein. Et cette fois-ci, pardon madame, WC indépendant. Et portatif. Ce que vous avez au choix, hein, seau, bassine, tupperware, par la fenêtre. Ah bah c'est Paris, c'est pas facile, on se débrouille, vous savez, c'est l'immobilier, c'est pas aisé. Hein. L'immobilier, vous savez, des loyers de plus en plus élevés, des surfaces de plus en plus réduites. Alors, à qui profite ce business? D'accord. Je suis content, je vois qu'on a les mêmes références. Hein. Alors moi, je regarde beaucoup ce genre de reportage, j'adore. Et souvent, je me demande, mais les journalistes, ils parlent comme ça que pour le boulot? Ou alors, ils aient toute la vie, ils continuent chez eux Chérie, veux-tu bien me passer la salade? Ainsi que la vinaigrette. Rien à dire, c'est vraiment meilleur avec du balsamique. Alors, les enfants, à l'école, comment ça se passe? Bien, à présent, allez vous coucher, papa doit parler à maman. C'est vrai, vous avez 14 et 16 ans, il est 19h30, mais papa revient de 3 mois de reportage. Il a vraiment besoin de parler à maman. Voilà, alors comme je vous ai dit, 75e, donc normalement c'est rodé, hein. Normalement ça devrait rouler, mais vous savez, bon, les one-man shows, il y a toujours quelques faiblesses. Donc ce soir, attendez-vous à des choses un petit peu, bon, moyennes, hein, mais à des choses bien sûr carrément médiocres. Voilà, tout le monde est prêt? Oui. Ça va en haut? Oui. Ça va en bas? Ça va, la cave? Il ne me reste donc plus qu'à vous souhaiter un excellent spectacle. Ça va, Sylvain? Pêche? Content? Bien? Ça va. Je suis un peu naze, en fait, fatigué, je suis crevé, je peux plus. Je reviens du sport, ça me... Non, j'en fais pas, non. Non, j'aime pas le sport, non. J'ai accompagné ma fiancée, voilà. Ruth, voilà, ouais. Toujours avec elle, ouais. Ça fait 3 ans maintenant qu'elle me séquestre. Qu'on est ensemble. T'es dans... Non, je vais rien boire à cette heure-ci, t'es fou. Ouais, voilà, un petit gin, quoi. Dans un grand verre, peut-être, quand même. Voilà, pardon. Non, oula, regarde, stop, et après, il n'y a plus de place. Pardon. 3 ans déjà, ouais. C'est passé vite? Je sais pas si parmi vous, il y en a qui ont eu la chance de trouver leur alter ego. Bon, ben moi, j'ai trouvé mon... Hein? Mon altérophile. Voilà! Altérophilie, elle fait... Bon, attention, bon, elle avait peut-être des prédispositions pour ce sport. Hein. Il paraît que toute petite, déjà, c'était un très beau bébé. 7,3 kg à la naissance.
Joli bébé. Bon, ensuite, régulièrement, bon, bah, elle a pris 5 kilos par an. Hein, donc là, on vient de fêter ses 30 ans. Ouais, c'est une vanne à calcul mental. Non, Ruth, si vous voulez, bon, c'est le sport, quoi. C'est son truc, c'est sa religion, même. Tiens, vous vous souvenez quand on n'a pas eu Paris 2012, là? Ah, elle était colère, elle a pas aimé, ça. Ah oh, non, on était sur le parvis de l'hôtel de ville, comme ça, on attendait les résultats. Il tombe, oh là là. Elle me prend par la main, comme ça. Donc, elle m'arrache le bras, hein, et... Elle me dit, allez, on rentre! Oh là là! Et au même moment, elle marche dans une crotte de chien, comme ça. Alors moi, pour la détendre, j'ai tenté une blagounette. Ah, oh, bah tu vois, il nous reste toujours Paris 2012. Elle n'a pas ri. Moi, quand c'est comme ça, je file droit. Hein. Non, sinon, elle a inventé une nouvelle discipline, le lancer de moi. Hein, donc, voilà, bon, je pense que vous avez compris, hein, dans le couple, bon, bah, c'est elle qui porte la culotte, voilà. Mais c'est pas une petite bateau, quoi. Hein? Gros paquebot, voilà. Ouais. Non, Ruth, c'est quelqu'un qui déborde de... Voilà, qui déborde, on en a compris, mais... Non, vraiment qui déborde d'énergie, sans cesse besoin de se dépenser. Donc soit en faisant du sport, hein, bien sûr, soit en faisant crac-crac. Ouais, crac-crac, c'est le bruit que font mes os quand elles s'allongent sur moi. Elle a dû me briser tous les membres. Hein, Oui, oui, tous. Ce qui est dingue, vous savez, c'est que même après l'amour, elle est... L'amour, c'est... Même après le carnage... Non, elle a encore la pêche, elle fait des développés couchés... C'est-à-dire, je suis couché, elle me développe, en fait. Hein, J'en peux plus. Non, si, bon, le dimanche, c'est vrai, c'est un petit peu mon jour de repos. Hein, bon, et vous, bon, je fais un peu de ménage à la maison, quoi, bon... Je nettoie mon sang, tout ça. Enfin, elle part couper du bois. À main nue. C'est bizarre, non? C'est bizarre de faire ça, non? Ou alors, elle soulève des rochers. Pourquoi elle fait ça? Comme Obélix. Oh putain, j'avais pas fait le rapprochement. Non mais bon, attention, là, je vous raconte et tout, bon, je voudrais pas qu'on pense que je n'éprouve rien pour elle, attention, hein. Ouah, on reste pas 3 ans sans sentiments, quand même. Non, non, j'ai des sentiments, hein. Bon, non, des sentiments, bon, de crainte, de terreur, enfin, des sentiments, quand même, quoi. Je vais en prendre un autre, hein. Dans un plus grand verre, peut-être, parce que c'est un peu l'edge, voilà. Ah bon, c'est pas un verre, ça? Ouais, enfin, tu joues sur les mots, C'est envers, quoi. Non, puis, je discute, là, mais il y a quand même des avantages à vivre avec elle. Hein. Je veux dire, par exemple, moi, l'hiver, ben, je me blottis contre elle dans le lit. Et ben, pas besoin de pyjama grâce à sa fourrure naturelle. Mmh. Ouais, moi aussi, au début, j'ai dit, ah, puis qu'est-ce que vous voulez faire, de toute façon. C'est clair que les potes, ils ricanent, hein, ça, ah, bah, ça rigole. Hein. Alors, ça fait quoi de dormir avec Chewbacca? Ah, mais... Mais c'est lourd, les mecs. Moi, je fais des économies sur le chauffage, mon pote. Hein. Les mêmes copains qui sont bien contents quand ils déménagent. Ah, bah là, ça téléphone, là, on retrouve le numéro. Allô, tu peux me prêter ton poids lourd? Ouais, mais c'est lourd. Non, mais ça va, je vais pouvoir souffler un peu. Je l'ai inscrite à un concours, ça dure 3 semaines, c'est en Géorgie. Ah non, c'est loin, je sais pas si elle va revenir. Comment... Ouais, alors quoi? Bon, le concours, c'est quoi? Bon, il s'agit, si vous voulez, de tirer des camions à la force des bras, jongler avec des parpaings, que des trucs à la con, et... Comment s'appelle le concours? Ah ouais, l'homme le plus fort du monde. Quoi? Non, ils verront pas, ça. Je sais, parmi vous, il y en a qui disent d'accord. Ben alors, bonjour les réflexions misogynes.
Alors là aussi, je rassure tout de suite tout le monde, pas du tout. Je ne suis pas misogyne. Pas une seconde. Je ne suis pas misogyne. Bon, certes, depuis que je la fréquente, je me suis un peu misogyne, hein, mais... Je suis au courant pour cette vanne, hein. Je sais qu'elle va me coûter ma carrière, mais je l'aime bien, je sais pas. En tout cas, vous êtes sympa, hein, merci, hein. Vous êtes super sympa, c'est pour ça que je vous raconte. Mais attention, ça sort pas d'ici, hein. D'ailleurs, personne ne sort, hein. Bon. Parce que Ruth, parfois, elle me présente des copines. La dernière fois, elle m'a présenté sa meilleure amie. Bon, sportive aussi, hein, bien sûr, mais bon, qui fait un sport peut-être plus noble, plus délicat. Lutte gréco-romaine, bon. C'est entre nous, hein. Elle me dit, oui, tu viendras nous chercher après l'entraînement. Très bien, donc le jour dit, je me pointe, hein, j'arrive au gymnase, j'étais un peu en avance. Elles étaient en plein effort. Ça vous prend direct au nez. Une odeur. Pourquoi ? Picotement, poil du nez qui crame, revêtement qui se décolle, boucler le périmètre. Non, bon, une odeur de Moyen-Âge. L'impression de remonter le temps, un truc... J'ai titubé et tout, j'ai dit, attends, tombe pas dans les pommes direct, ça craint. J'ai pris sur moi. Bon, elles étaient dans leur truc, elles me remarquaient pas. J'ai donc tenté une blagounette. Salut les musclés. Elles n'ont pas ri. Hein, là, j'ai dit, bon, ben voilà, Ruth, je suis là, comme tu m'as dit. Voilà, ben, c'est ton amie, j'imagine, bien sûr. Alors, ben, comment s'appelle-t-elle ? Petra. Petra. Mais quand ça ? Enfin... Je sais. Encore aujourd'hui, j'ai honte. Elles n'ont pas ri, hein. Non, non, au lieu de ça, Ruth me fait, bon allez, invite-nous au restaurant. Restaurant, je les regarde, association d'idées, hippopotamus. On arrive chez Hippo, le serveur me fait, mais vos gardes du corps mangent aussi. J'ai pas de garde du corps, enfin, ça va pas, n'importe quoi, je suis pas Harry Roselmack. Ouais, c'est pas le sujet, bon, et... Bon, on passe la commande, hein, bon, je prends un hippo malin, hein. Elles prennent un sanglier chacune, et... Comme Obélix, oh putain. Et Ruth, entre deux bouchées, me dit... Voilà, on veut faire un plan à trois. Tout à fait. Il paraît que c'est une belle ville. Quand est-ce que... T'as pas bien compris, me dit-elle, on veut faire un plan tous les trois. Là, j'ai dit, écoute, Brut. Brut, pardon, excuse-moi. Mais déjà, bon, quand on est tous les deux, j'ai l'impression qu'on est plusieurs. Alors, si ta copine vient, t'as pas peur qu'on soit trop nombreux ? J'y ai pas coupé.
Je suis rentré avec le troupeau. Elles ont joué à la passadice avec moi. Ruth, Petra, Petra, Ruth, je savais plus où j'habitais. C'était... J'étais brinque-ballée telle une chaussette au fond d'un tambour. De machine à laver, oui, sinon ça ne veut rien dire. Il est con, celui-là. Je vous jure, Petra, Ruth, Petra. À un moment donné, j'ai dit, oh bah là, je suis dans le Petra. Hein. Ouais, non, non, je sais, mais l'humour est votre seule arme dans ces cas-là. Je vous jure, je comprends pas, je sais pas pourquoi elle aime ce genre de trucs. Des trucs à 3, à 4, à 9, des trucs à plusieurs. Des trucs échangistes. Mais moi, je veux pas les changer. Moi, je veux la donner. Je vois, moi. Je vois. Je suis pas... Tu sais. Je suis pas au courant. Je sais pas, ils disent... Allez, vas-y. J'y ai. Je sais pas, moi. Ah ouais, ça va, ouais. Non, je vais rien boire, non. Ah oui, non, si, oui. Un truc un peu, tu sais. Camomille, ouais. Ouais, mais pas d'eau. Pas de tasse, non. Non, juste le sachet, tu sais. Ouais, non, mais je sais, hein, quand vous me voyez, je sais ça que vous vous disiez, hein. Vous vous disiez, lui, il m'a trop l'air d'un gros branleur. Je suis pas gros, quoi. Avant, j'avoue, tu sais, j'étais tout le temps là, tu sais, 24 allongé sur mon canapé, tu sais, en train de mes vues et tout, tu sais, j'étais complètement incrusté. Passé dans les coussins, mais maintenant, pareil, j'ai pas bougé, moi. Non, j'aime pas. Tu sais, j'aime pas bouger, faire des trucs, tout ça. Mais regarde, tu sais, regarde, il y a des gens, tu sais, ils se lèvent. Après, ils disent « Oh là là, il y a des jours, on aurait mieux fait de rester couché. » Alors moi, dans le doute... Alors, tu sais, mes potes, ils gueulent, tu sais, ils disent « Allez, Geoffroy, bouge-toi, il faut rejoindre le monde du travail. Ouais, allez-y, je vais vous rejoindre. » Ça, c'est la société, hein. C'est la société, tu sais. Elle veut trop que tout le monde, il est pareil, tu sais. Elle veut trop que tout le monde, il rentre dans la même moule, tu sais. Ça se peut pas. Même des fois, on voudrait, ça se peut pas. Non, c'est pour ça, tu sais, moi, je suis tranquille chez moi, tu sais. J'ai mon canapé, j'ai mon lit superposé. En vrai, c'est un matelas, il est super, il est posé. Moi, tu viens chez moi, hein, viens. Moi, c'est à la bonne banquette. Hein. Tu sais, l'autre fois, il y a un cam, il vient, tu sais. Tu sais, un invité, t'sais. Il arrive, tu sais, style monsieur de Fursac.
Oui, où puis-je poser ma veste? As-tu une patère? Ouais, pose la patère, ouais. Moi, je me prends pas le jus, moi. C'est comme, ouais, j'ai froid, et les voyages, t'as pas envie. Mais moi, je voyage chez moi. Mais j'ai un jardin à la française, cuisine à l'américaine, et chiotte à la turque, alors. She fly in the wind. Non, ouais. Non, t'as vu? Des fois, tu sais, je kéblo. Mais non, parce que, tu sais, là, je m'ai levé, mais tu sais, j'ai pas trop l'habitude. J'ai un peu le vertige. Alors, tu sais, mes potes, ils me saoulent et tout. Ils disent, oui, mais au moins, il faut que tu fasses des études. Ouais. Tu sais, les études, ouais. Tu sais, si c'est pour taper les équations avec des inconnus, tu sais. T'as déjà fait ça? J'ai pas compris le concept. Tu sais, qu'est-ce que tu te prends la tête à mettre des inconnus, tu sais? Mais des connus. Moi, je dis franchement, tu sais, une fois que t'as compris que E égale M6, Ah, tu le savais. Ben voilà, tu sais ce qu'il y a à savoir, c'est bon. T'as cru que j'allais rocker, bro? Je t'ai fait une fantaisie. Mon coloc, il a pété un câble. Tu sais ça qu'il a fait? Tu sais, il m'a pris rendez-vous dans un labo pour voir ça qui se passe dans mon cerveau, tu sais. Alors un jour, tu sais, j'étais chez moi, tu sais, tranquille, tu sais. Mais bon, j'étais un peu occupé. Parce que, tu sais, j'essayais de dire Schweppes en verlan. Je sais que t'essayes dans ta tête, là. Tu galères. Eh ben moi, je galérais comme toi. T'as vu, ça occupe bien la journée. Je galérais ça comme ça et d'un seul coup, je reçois une convocation. Alors j'ouvre. C'était marqué « Veuillez trouver 6 juin ». Alléluia! Comme toi, j'applaudis. J'ai dit, tape le jeu de piste. Non, en vrai, tu sais, c'était le rendez-vous pour le labo. Bon. Bon, je suis été. Bon. J'arrive, l'infirmière, elle dit, avez-vous consommé des substances aujourd'hui? Des chocs à pic? Et mon petit douce feuille spécial angoisse. Elle a dit, venez, allongez-vous. J'ai dit, ouais, je veux bien, je suis naze. Après, je sais pas ça qu'elle a fait, ça. Elle m'a mis des boules, qui sait, ça, comme. Après, elle m'a fait une picouse. Elle m'a drogué, la coquine. Vous êtes culottés, hein. En plus, tu sais, moi, tu sais, j'avais mes fûts avant, alors ça s'est tout mélangé. J'étais à l'ouest. Mais tu sais, j'étais tellement à l'ouest que j'étais presque à l'est. J'étais déchiré! Je m'accrochais à sa blouse, ça comme... Ah, oh, j'ai la blouse de toi!
Là, elle a dit chut. J'ai dit ouais, j'y veux bien, ouais. Allez, tout sera fini à votre réveil. Vous allez dormir une petite heure. Donc, 8 heures après, c'est... J'émerge. Les docteurs, ils me donnent les rapports. Ah là là. Cerveau envahi de tétrahydracannabinol. Qu'est-ce que j'ai? Des molécules de cannabis. Ah ouais, dis shit, tu me fais flipper. De plus... La prise répétée et abusive de cannabis peut entraîner une course rapide, mais désordonnée, des spermatozoïdes. Oui, 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 les docteurs, ils m'ont expliqué, regarde. En vrai, tu sais, si tu m'effus trop, tu sais, tes spermatozoïdes, ils partent trop vite, ça, comme tu... Allez, tu es parti, on y va tous, allez, allez, ouais, à fond, ouais, trop bien, allez, ouais. Ouais, mais on va où? Ils sont dangereux! Ils croient trop, ils sont à Ibiza! Et pendant ce temps, l'ovale, elle attend. Elle dit, ils sont cons ou quoi? Il n'y a qu'une route. C'est pour ça, moi, je dis, franchement, tu sais, les spermatozoïdes, ils sont rapides, mais ils savent pas où ils vont. Alors que moi, j'y vais pas vite. Hein. Ouais, mais je sais où je vais. Hein. Je vais me checker où. Ça va? Sont partis? Je sais pas. Trop d'humour, je pense. Ça fait peur. Ça va? Ouais! Une note de Dieu! Eh, vous savez, je voudrais vous dire, hein, je voudrais faire une petite parenthèse parce que je me suis pas mal baladé en France, partout. J'ai joué un petit peu partout. C'est la 75e de ce spectacle. Eh ben, je dois vraiment dire que de tous les publics que j'ai rencontrés, et je n'ai même pas le temps de terminer, hein, vous l'avez senti de vous-même, il s'est vraiment passé un truc et je vous remercie. Et c'est pour ça que j'ai un petit peu envie de me livrer ce soir. Alors attention, c'est pas grand-chose. Voilà, je me suis mis dernièrement à écrire des petites nouvelles. Alors évidemment, c'est pas mon truc, hein, d'habitude j'écris des sketchs, mais bon, je me suis lancé. Et vous savez, tous les soirs, j'en amène une avec moi, là, de ma composition. Et je me dis, un soir, je vais tomber sur le public qui déchire et je vais la faire. Et ce soir, vous déchirez grave! C'est pour ça, je l'ai sur moi. Bon, si vous voulez, je vous la lis, puis vous me dites ce que vous en pensez, quoi. C'est pour ça, je l'ai sur moi. Si vous voulez, je vous la lis, puis vous me dites ce que vous en pensez, quoi. Ok. Bon. Alors, de toute façon, pour ceux qui ne voulaient pas, vous allez voir, c'est pas grave. Hein, c'est vraiment très court. Alors, évidemment, bon, quand j'aurai trouvé un éditeur, hein, ça sera mieux présenté. Hein, Ah bah quand je serai chez Flammarion, hein, ou Gallimard, ou Pif. Alors, et je vous demande de l'indulgence, hein, parce que je débute là-dedans. Hein. Ah, ok, alors, attention, j'humecte. Il est très exactement 19h30. Ou 22h environ. Mais peu importe, lorsque prestamment, un peu n'importe comment, je pousse avec emportement la porte de l'appartement appartenant à ma partenaire. Vous avez bien aimé, je mets un pouce en l'air. Pouce en l'air. Tout de suite, je l'aperçois s'affairant dans la cuisine. Impeccable Nadège. Elle est superbe, arborant sa belle chevelure, laquée par une grande marque parce qu'elle le vaut bien. Et préparant la popote, parce qu'il le faut bien. Pousse en l'air. Qu'elle est belle, même de dos, me dis-je. Ouais, c'est un peu con, ça, d'accord. Ouh,
hola, hello, la elge diol, c'est moi. Pour toute réponse, elle me jette un regard très noir, de ses yeux pourtant très verts. Bah ouais, mais il reste que deux phrases pour l'instant, alors. Aïe, ça n'a pas l'air d'aller, son jeu-jeu. Ça n'a pas l'air d'aller, Hazard, je m'approchant et posant une main sur sa chatte. Virgule, choupette installée près d'elle. Je suis choqué. Bon, vous avez bien aimé, je mets quand même un pouce en l'air sur la chatte. Allez. Va t'asseoir, c'est prêt, dit-elle sèchement. Oh, j'obtempère sans discuter, mais mettant les pieds sous la table et les mains au-dessus, l'inverse étant moins pratique. Je détecte une odeur tristement familière. Que sens-je? Cumge. Ah non, pas encore une soupe d'asperges, j'esperge. Pousse en l'air. Si, c'en est. C'est insensé, c'est incessant. C'est agaçant. En plus, elle sert ça sans sel, sans épices et sans sauce. Ton assiette, ordonne-t-elle. Pas trop, ose-je en présentant mon auge. Ignorant ma requête, elle la remplit à ras-bord, et donc me la rend pleine. Ouais, ça sert à rien, ça. Mais tu m'en as mis plein, me plains-je. Et je n'ai pas très faim, finge. Ça tombe bien, y'a que ça, lâche-t-elle. Allez, mange. Oui, oui, je mange, mange. Mais dis, Nadège, mon ange, de temps en temps, change. Comment ça, grince-t-elle? Je sais pas, il n'y a pas du madrange. Je sais. Là, je marque honte. Hein. Oh, c'est ce que je ressens actuellement, je sais pas où. C'est une cuisine très variée, affirme-t-elle. Ah oui, alors ça, c'est varié, rétorque. Tu fais soit de la soupe, soit des légumes, soit de la soupe de légumes. Ou parfois du potage, ajoute-je. Ajoute-je. Si t'es pas content, tu peux toujours le faire toi-même, crache-t-elle. Sans blague, tu veux pas 100 balles, 100 balles-t-elle, tu veux pas 100 balles et un nut. Pourquoi y a des nuts de... Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de la honte? Oui, désir de mourir immédiatement, voilà. Nadège se penche vers moi furieuse, ce qui la rend encore plus désirable. Wow! Qu'elle est belle, même de face, me dis-je. J'aime bien, pouce en l'air. Écoute, bébé, et si ce soir on se faisait un bon resto, suggère-je? C'est moi qui t'invite, me la pêche. Allez, mets ta plus belle robe, on va chez Flinch. Pour qui me prends-tu, ce pique-t-elle? Oh, 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 mais pour personne, ironise-je. Quand je te prends, je le fais pour moi. Espèce de con, dit-elle. Oh, mais qu'as-tu aujourd'hui, bredouille? Tu as ton cycle ou quoi? Me renseigne, au passage. Lâche-moi, fait-elle. Je ne comprends pas, bébé, pleurniche-je. Je rentre heureux de te retrouver et tu n'as de cesse de me gourmander. Oh, pauvre chou, ricane-t-elle. Ça joue les machos et c'est toujours là à geindre. Pardon, réagis-je, vexé à mort. Comment, insiste-je? Pardon, fulminge. Moi, je jeins. Jinge. Nadège, jinge. Ai-je déjà jeun? Par exemple, là, j'ai faim, je suis à jeun. Jinge.
Choupette, la chatte, juchée sur la cheminée, choquée et effarouchée par nos chamailleries, tente une échappée. Mais malchanceuse, chavire, chancelle, puis choix, entraînant dans sa chute un sachet de chips acheté chez Shopee. Chapeau, dis-je. Chips, dit la chatte. Oui, la chatte est british. Imbécile, siffle-t-elle. Friponne, réponds-je. Bougre, branlesse, coquin. Alors, ne puis-je réprimer. 5 secondes avant le grabuge, j'évalue. En effet, la belle a plus d'un tour dans son sac à main. Elle s'empare d'ailleurs de celui-ci et me le projette en pleine poitrine. Rote-je. Puis la bougresse se jette sur moi et, emportée par son courroux, me roue de coups. Pif, paf, pouf. Je m'écroule le pif dans le pouf et la pouf, pouf. Chialge. Arg, chouinch. Qu'elle est belle, même d'en dessous, me dis-je. Alors, qui commande ici, demande-t-elle. File et mange ta soupe. Me tais-je. Ça va toujours ? Oui ! Mais c'est pas que pour le visage, normalement, les... Bah ouais, mais Moyen-Âge, les mecs, là. Eh, merci, vous avez été super sur la nouvelle, hein, bravo. Hein. C'était la première fois que je la faisais. Ça s'est pas vu ? Eh ben, c'est grâce à vous, hein. Non, vraiment, parfait. Hein. D'ailleurs, vous avez été tellement géniaux, vous savez ce que j'ai envie de vous mettre ? Un pouce en l'air. Vraiment. Merci. C'est marrant, j'ai senti une vague de crainte, là. Tout le monde était comme ça. Ah, c'est bon. Un pouce en l'air, vraiment. De toute façon, bon. Allez, je vous le dis, je crois que je vais arrêter ce métier après cette représentation. J'arrête. C'est pas la peine de continuer, je trouverai jamais meilleur public que vous, de toute façon. Ouais, d'accord, j'essaie. Il y en a qui disent, ok, il fait le coup tous les soirs. Oui. Mais d'habitude, je mens, hein. Mais bien sûr, mais attendez, c'est grâce à vous, cette fluidité sur scène, là, cette aisance, cette grâce, oui, merci, madame. Non, En fait, je m'appuie sur vous, je me repose sur vous. Alors, je sais que pour vous, public, en revanche, c'est pas facile, hein, d'arriver dans un spectacle, de se mettre dans le bain direct, hein. Ouais, je sais ce que c'est, hein, on sort d'une grosse semaine de boulot, hein, ou d'une grosse semaine de chômage, hein. Ouais, les deux sont stressants, de toute façon, hein. Et plus tous les travers de la vie, irritation, pollution, constipation, sans compter la circulation, on est là, on est en retard, on trouve pas de place pour se garer. Mais bouge ta caisse, connard. Mais parce que je vais au spectacle. Au spectacle comique. Pour me détendre. Parce que c'est important de rire, tu comprends ça, enculé. Oui, on n'entend pas bien le dernier mot parce qu'il ferme ça vite, mais on comprend. Hein.
C'est pour ça que vous avez fait l'effort, je vous remercie. Hein. Alors vous savez, vous vous mettez à l'aise et tout, vous enlevez le track que j'ai juste avant de rentrer sur scène, mais bon, quand j'ai commencé le one-man show, je l'avais le track, mais fois 12 000, hein, c'était l'horreur. Hein. Bon, le track, évidemment, tout le monde connaît, vous savez, c'est cette peur qu'on a avant de parler en public, bien sûr, ou alors même pour les examens. Moi, je me rappelle pour le bac, mais ah, c'était l'horreur. Hein. J'avais tellement le trac à l'idée de passer le bac, j'ai arrêté en quatrième. Paralysé, je ne pouvais pas. Et pareil, quand j'ai commencé le one-man show, je venais pas jusqu'à vous, comme ça, là, tranquille. Non, 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 j'avais tellement peur d'affronter le public, je voulais là-bas au fond, sans bouger, là-bas. Je vous montre, parce que c'était vraiment ridicule. Voilà, ça fait quand même loin, regardez, je jouais là. Sans bouger. Bon, les gens disaient oui, oh. Okay. Non, bah, les gens étaient sympas, ils disaient bah, il a l'air gentil. Peut-être un peu distant, enfin. Puis en plus, à l'époque, le régisseur me faisait une superbe lumière comme ça. Bah là, ça veut carrément rien dire de jouer comme ça, non? Les gens disaient, t'es allé voir Denis Maréchal? Ben, voir, c'est pas le mot, hein. Écoute, on m'avait dit qu'il était noir. Mais à ce point, c'est dingue, non? Puis vous savez, bon, bah, c'était le début pour moi dans le one-man show. Alors bon, bah, j'avais des sketchs, bon, bah, qui valaient ce qui valait. Hein, alors, petit exemple. Hein, alors, l'autre jour, je suis allé au marché. Eh bien, je comprends pourquoi ça s'appelle le marché. Parce que, dis donc, j'ai marché. Voilà. Eh oui, mais attendez, heureusement que je ne suis pas allé au supermarché. Voilà. Alors bon, évidemment, ça c'est des vannes qu'on préfère faire dans le noir. Hein, vous comprendrez aisément pourquoi. Hein. C'est parce que ça s'appelle un bide. Et les bides, évidemment, c'est extrêmement gênant sur scène. Et vous savez, il y a plein de choses qui peuvent être gênantes quand on est sur scène. Il y a par exemple bon, les retardataires, les téléphones portables, et le pire, les retardataires avec portable. Exemple. Ouais, ouais, ça y est, je suis arrivé dans la salle. Hein? Quoi? Ah, quoi, chute? Les gens me disent chute toi. Quoi? C'est chiant, mais le comédien il arrête pas de parler, c'est lourd, on n'entend rien. Quoi? Je suis pas un comique. Tu vois. Denis Sénégal, truc comme ça. C'est gênant, hein? Ce qui peut être gênant aussi, vous savez, c'est l'applaudissement escompté qui ne vient pas. Alors, attention, petit exemple, préparez-vous à ne pas applaudir. Vous verrez, vous n'aurez pas de mal, hein. Vous êtes prêts? L'autre jour, je suis allé voir un film primé au Festival de Cognac. À mon avis, c'est le jury qui en avait bu. N'use pas tes mains, n'use pas tes mains. Les autres, merci d'avoir respecté la consigne. Hein, on se rend bien compte du malaise. Hein, c'est gênant, même pour vous. Hein, Donc après ce genre de vanne, j'ai dit, bah Denis, il faut quand même bosser. Hein, bah non, les gens payent. Hein, tu rigoles parce que t'as pas payé, mais sinon... sinon les gens payent. J'ai dit, les gens payent, il faut bosser. Bon, j'ai bossé un peu l'écriture, mais je suis allé un peu trop loin. Vous savez, je suis allé dans la polémique, quoi. Racisme, politique, sexualité. Et là, je me suis trouvé confronté à la vanne qui divise le public, hein, et qui revient à poser l'éternelle question. Peut-on rire de tout? Peut-on rire de tout? On ne sait pas, peut-être le peut-on, peut-être ne le peut-on pas, on ne sait pas. Vous savez ce que j'ai fait une fois? Je suis allé vraiment loin. Bon, je vous le dis, mais ça reste entre nous. Je suis allé vraiment très très loin. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai carrément fait une blague sur les animaux domestiques. Ouais, je sais, je sais. Mais peut-on rire de toutou? Bah. Merci pour votre soutien. Voilà, bon ben, je crois qu'on a fait le tour. Le toutour, ah. Non,
arrête, les gens payent. Bon, il y a un autre truc qui peut être très très gênant quand on est sur scène. Il y a, par exemple, quand vous êtes, quand il y a un présentateur avant le show. Vous savez, parfois, il y a un présentateur. Bon, il est là, il envoie du bois, il chauffe le public, hein, le comédien arrive, il n'y a plus qu'à. Et parfois, non. Non. Je me souviens, une fois, je devais faire l'ouverture d'un festival d'humour à Bourg-la-Chougne. Et Bourg-la-Chougne, une charmante bourgade, très fleurie. Vraiment, hey, si vous avez l'occasion de vous y arrêter, ne le faites pas. Non, fuyez, non, non, boum, voilà. Et donc j'étais là pour ce début de festival, bon bah le présentateur, un élu du coin commence, hein, Pop et pied fenu à notre quatrième édition de Chougnian Délire, hein, quatrième édition déjà. Alors, évidemment, nous avons une pensée pour Régis, hein, Régis Grougier, qui a beaucoup œuvré pour que ce festival existe et qui nous a quittés prématurément l'été dernier, en revenant du marché. Le marché, c'était sa vie. On le disait qu'il fallait réparer cette putain de route. Alors évidemment, aujourd'hui, un hommage, le marché porte son nom, hein, le marché de Régis, bien sûr. Régis, disparu pour qui? Disparu pourquoi? Nous t'oublierons pas. Maintenant, place à l'humour. Place à la farce. Place à la fantaisie avec Denis Marchemal. Putain, mais j'y vais. Bonsoir. Alors, l'autre jour, je suis allé au marché. À l'hôpital. À l'hosto. Eh ben ouais, je suis allé voir mon pote Fred, voilà. Eh ben c'est mon pote, je le fréquente. Eh ben tu l'aimes pas, mais c'est mon pote. C'est marrant. Il faut que je vous parle de mon pote Fred, parce que bon, il est arrivé chez moi l'autre soir tout excité. Et vous savez, mon pote Fred, on en a tous un, vous savez, c'est le pote un peu foufou, un peu dingo, un peu con. Hein, voilà, lui. Je vois que vous voyez. Hein, en plus, c'est souvent il s'appelle Fred, c'est bizarre ça. Comment ça se fait ça? Non, parfois il s'appelle pas Fred, mais il est con quand même. Hein, vous savez, c'est le pote, ça fait 30 ans qu'on le connaît, ça fait 30 ans qu'il a 12 ans. C'est le pote qui, sans faire exprès, a mis le feu à des objets, ou à sa sœur. On l'aime bien, c'est notre pote, c'est pas le mauvais bougre. Et donc, Fred est arrivé chez moi l'autre soir, tout excité. Ouais, c'est super, je suis content, trop la classe, j'ai acheté une nouvelle caisse, j'ai acheté une poste. Une poste. Mais on dit une Porsche, non? Non, non, mais là, c'est une poste. Donc, je suis allé voir, intrigué. Et effectivement, c'est une voiture sans permis. Et la marque, c'est vrai, c'est poche. Moche, en tout cas. Hein. C'est, non, c'est laid. Et en plus, il l'a customisé. Il a fait du tuning dessus. Hein. Donc, il a mis des dessins de flammes sur les côtés. Un aileron à l'arrière. Et sur le pare-brise, un pare-soleil. Marqué « Moi, j'aime le customing ». Mais le pare-soleil était trop grand pour le pare-brise, alors il a coupé...
Qu'est-ce que t'en penses? C'est une édition limitée. J'espère. Bon allez, tu montes. Mais si jamais on croise des gens ou... Ah, j'ai fait plaisir, je suis monté. Vous êtes déjà monté dans la voiture des oui-oui? Non, ça roule bien, à un moment donné on a fait une pointe à 18 km/h. Et là j'ai dit, Fred, t'es sûr que c'est nécessaire les gants de pilote? Ouais, mais c'est super, c'est cool, c'est génial, c'est Fast and Furious. Cru, cru, salut les gonzesses. Ah, Fred, Fred, Fred. Tu sais ce qui me dépasse? Tout le monde, Fred. Tout le monde nous dépasse, Fred. Ce platane va plus vite que nous, t'expliques? À un moment donné, on s'est mis à vibrer, on a failli s'envoler. C'était un passant qui traversait comme ça. Super, Fred. Merci pour la balade. Tu peux me ramener, s'il te plaît? Non, non, mais attends, je t'emmène dans un endroit cool. C'est à 20 minutes d'ici. 2h30 après, on arrive. Et l'endroit cool, c'était en fait un bar d'entraîneuse miteux, franchement glauque, carrément crade. Équipe de George Lucas. Gérard, Lucas, pardon. Bref, le genre de bar tellement dégueulasse que tu demandes un alcool fort pour qu'au moins ça désinfecte le verre. Bon. Je dis à Fred, mais qu'est-ce qu'on fout là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, non, mais t'inquiète, c'est parce que j'ai rendez-vous avec des mecs, je leur dois des sous. Et ces mecs, ils rigolent pas avec les dettes. Ils te coupent un doigt par jour de retard. Sérieux? Ouais, et moi je connais un mec, il a eu 8 jours de retard. Bah, tu peux te dire que maintenant il en 6 pour tenir sa fourchette. Et j'en connais un autre, il a eu 21 jours de retard. Bah, tu peux te dire que maintenant il en 6. Ouais, mais toi c'est bon, t'as amené l'argent? Bah, non. Quoi? Mais alors pourquoi t'es venu? Pourquoi tu m'amènes? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais non, mais t'inquiète, tu vas voir, je vais négocier un délai, c'est cool. Je vous ai dit qu'il était con, hein. Bah oui, parce que moi, dans le bar, je voyais bien que tout le monde nous observait depuis le début. Alors, il y avait déjà les deux sbires à l'entrée. Alors, c'était marrant. Il y en avait un, on aurait dit Mousse Diouf, mais blanc. Et l'autre, David Douillet, mais noir. Ouais. Et ça fait bizarre, un noir avec une coupe au bol, hein. Alors le black s'appelait Jack, dit Black Jack parce qu'il était black. Et son pote Jimmy dit Jimmy Jackpot parce que c'est pote de Jack. Bon. Non, mais moi c'est mon métier, donc c'est... Au comptoir, c'était la cour des miracles. Alors il y avait deux entraîneuses, mais guerre entraînante, hein, et la patronne. La patronne, comment vous décrire? On voyait tout de suite à son œil qu'elle avait la dent dure. Et heureusement, car elle n'en avait qu'une. Ah ouais, au niveau de la bouche, bon, ça frisait l'horreur. Au niveau du maquillage, ça frisait le ridicule. Et au niveau des aisselles, ça frisait. Elle lève les bras, tu voyages. Dans le temps, bien sûr. Et au fond du bar, que des mecs à l'air très sympas aussi. Alors j'ai su leur nom plus tard. Il y avait Francky Tronçonneuse, Étrangleur Joe, Psycho Patrick et José le Manouche, qui ne sort que la nuit. On l'appelle Batmanouche. Bon.
c'est le nom du mec, on peut pas inventer des trucs. Dans cette ambiance, j'ai dit à Fred, eh ben écoute, on va pas trop traîner, hein? Bah pourquoi? Bah parce que j'aime la vie. Et toi, tu pourrais nuire gravement à ma santé. Et c'est à ce moment-là que José le Manouche s'est adressé à Fred. Alors, espèce de petite merde, j'espère que toi, notre seille. Moi, il pleuvait sous mes bras. Et Fred, je vous ai dit qu'il était con. Écoutez bien la réponse. Ouais, mais ça, c'est bon, on n'est pas aux pièces. Lasse-nous, Garcimore. N'importe quoi. Mais Fred, tu... alors déjà, à ma connaissance, Garcimore n'a jamais été manouche. Et monsieur José, ici présent, ne m'a pas l'air très décontrasté. À ce moment-là, il a commencé à faire très très sombre dans le bar. Et en fait, c'est les gars qui se rapprochaient de nous comme ça. Et je ne sais plus qui de Francky Tronçonneuse ou Psychopatrick a sorti cette phrase qui restera jamais gravée dans ma mémoire. Là, je peux te dire que t'es vraiment dans la merde! À cet instant, autant vous le dire, il pleuvait également dans mon slip. J'ai pourtant tenté d'intervenir, bien sûr. J'ai dit, attendez, gentlemen, on peut peut-être s'arranger. Bon, combien vous doit cette personne? Que je connais très peu, d'ailleurs. 12 000 euros? Waouh, ouais, t'es dans la merde, là. Et bah Fred, fidèle à lui-même, balance, ouais, ça va, de toute façon, vous emmerde, bande de monstres. Et il ajoute, et puis c'est facile, vous êtes quatre alors qu'on est que deux. Bah non, Fred. Recompte bien. T'es qu'un? Là, il surprend tout le monde. Il sort en courant du bar, il saute dans sa poche et il se barre pied au plancher. Wouh! Donc 20 mètres après, il l'avait rattrapé. En marchant. Là, ils l'ont sorti de sa poche. Voilà, évidemment, ça a été terrible. Il a commencé par se prendre, je sais pas quoi, wamashigari, planchette, coup du bambou, dragon de feu. Non, non, mais le pauvre Fred, il parlait japonais. Là, c'était trop horrible, c'était trop affreux. J'ai rassemblé mon courage et j'ai hurlé. S'il vous plaît. Où messieurs, vous faites mal à mon ami. N'ont pas entendu. Pour terminer, ils se sont servis de lui comme d'un bélier. Ils ont fait visiter un mur comme ça. Les pompiers ont mis 5 heures à le désencastrer. Ça lui a laissé le temps de réfléchir, remarque. Hein. Mais d'où l'expression « après mûre réflexion », non C'est bien ça, ça vient de là. Bref, quand il a été dans son ambulance, juste avant de le laisser partir, évidemment, j'ai encore tenté de le raisonner. Vous auriez fait pareil. J'ai dit, mais Fred, mais c'est dingue, mais t'en as pas marre, tes conneries, mais c'est fou. Mais regarde ton état, ça se finit tout le temps à l'hôpital. Et là, il a eu une phrase formidable. Il m'a dit, ouais, de toute façon, à l'hôpital, je m'en fous. Je connais comme ma poste. Ah!
Mais je vous ai dit qu'il était con avant de commencer l'histoire, en fait. Although you think you are Mr. Big Stuff, you never do. Hé, comment il s'en va, Robert? Norbert, pardon. Gilbert. Albert. Eudebert, putain. Denis, voilà, putain, je me disais ça. Ça va? Ça va, Bernard? Richard. Suchard, putain, comment il est? Tu vois quelque chose? Sylvain, mets un tropico sanguine pour. Eh ben, moi, ça va! T'as pas su? T'es pas au courant? J'ai rencontré l'amour. Oui, monsieur, j'ai rencontré l'amour. Non, 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 pas avec Bérangère. Non, non, c'est terminé avec Bérangère. Non, Bérangère, si tu veux, bon, elle a voulu tester notre amour. On a fait l'île de la tentation. Il y avait des tentateurs. Elle s'est laissée tentater. Par tous les tentateurs. Huit, ils étaient... Ah, ils me l'ont pratiquement refait à neuf. J'ai dit, j'ai compris l'expérience, je me suis cassé. Mais t'inquiète, ça va, j'ai remonté la pente, va. J'ai re-rencontré l'amour. Tu sais comment j'ai fait? Internet, tout simplement. Mitoc.fr. HTTP. Deux points. Slash. www.mitoc.fr. Ah, je suis tombé sur la perle. Gentille, intelligente, 61 ans. De plus que moi, oui. Non, différence, non. Oui, bon, disons, je suis né dans les années 70 et elle dans les années 7, mais bon... Oh, ben maintenant qu'on a passé l'an 2000, on est tous de l'autre siècle, et puis voilà. Elle, presque du précédent, bien sûr. Non, mais la rencontre, super. Eh ben, on a commencé par chatter. Chatter. Ah putain, tu chattes pas. Ah, tu chattes pas. Ah putain. Mais moi, je chatte. Mais je chatte à fond. Mais tout le temps, je chatte soir et matin, je chatte... Bon bref, un chatte, je dis bon, comment on s'organise, on se voit. Elle dit, ben carrément, je viens vous chercher chez vous. Pff, super. Elle arrive, bon, pas vite, hein, forcément. Et tout de suite, si tu veux, je remarque l'allure, l'élégance, l'expérience, genre professeur d'histoire. De préhistoire, ouais. Non, c'est vrai, je l'ai vue, je me suis dit, tiens, elle a peut-être connu les deux guerres. Voire, elle les a faites. Et sans doute, elle les a perdues. Eh bien, je sais pas, tu me crois pas, tout de suite, j'ai senti que j'en pensais pour elle, je sais pas. En montant dans sa Rolls. Mais là où vraiment j'ai su que j'étais amoureux, c'est quand on est entré dans le parc du château. Là, j'ai dit « Je l'aime !» Ah, je dansais. Je faisais la danse de l'amour. Ah, même le parc. Ah, chez elle, bah, super. Ouais, ben, tu sais ce que c'est. Hein. Bon, tu bois un thé, tu bois deux thés, la tête te tourne. Eh ben, elle m'a proposé de rester dormir, et voilà. Depuis, nous passons de folles nuits ensemble. Fin des fous débuts de soirée, elle se couche à 8 heures. Mais Pardon? Sexuellement? Sexuellement? Tu veux dire au niveau du sexe? Sexuellement, non, je vais pas te mentir. C'est calme. Je lui fais pas le toboggan chinois. Toboggan chinois? Non, je sais pas ce que c'est, mais je lui fais pas, donc... Non, mais on fait quand même plein de trucs, ben, comme les amoureux. Eh ben, ciné, resto... Alors c'est mignon, tu verrais, on se bat tout le temps pour payer.
Non, je suis pas salaud, je la laisse gagner. T'es, j'ai une anecdote. Tu aimes les anecdotes? Écoute celle-là. Un jour, tu sais, on voulait aller voir un film, c'était pour les 7 à 77 ans. En agrugé, je la menais quand même. Belle anecdote, hein? Oui, je me suis installé au château, là. Non, en ce moment, non, pas d'emploi, pas de... Ouais, attention, un château, c'est du boulot, hein. Eh ben, donner des directives aux domestiques, le majordome, le jardinier, sans compter la bonne, qui porte bien son nom. Et la cuisinière, très gourmande. Non, c'est des coquines, les deux. Hein. Ah, faut constamment être derrière elle. Hein. Non, puis attention, comme Blanche est un peu perdue dans les chiffres, c'est moi qui gère tout. Hein. Mais c'est pour ça qu'on a ouvert un compte commun. Voilà, commun sur son compte. Et là, je suis en plein travaux, là. Attention, j'ai fait construire, si tu veux, une immense piscine. Bon, olympique, mais fois 12. Hein. À l'intérieur, grosse baffle. Autour, plexiglas, comme ça, bang, bang, bang. Discothèque, voilà. Discothèque à même le parc, ouais, ça... Ah, bien sûr, attention, ça coûte bonbon, hein, mais enfin, ça va, je suis pas déçu, hein, j'en ai eu pour son argent. Je dois dire que... Vraiment, ça va, hein. Voilà, tu peux le dire, voilà, je nage dans le bonheur. Et dans la piscine, il fait des blagues, ouais. Non, ça va, écoute, je dirais que être avec elle, pour moi, c'est enrichissant. Voilà. Voilà, c'est une femme qui m'apporte énormément, ouais. Moi aussi, ouais, j'apporte, bien sûr. Eh ben non, mais j'apporte, voilà. J'apporte la joie de vivre, l'humour, hein. Comme je lui dis souvent, hein. I'm just rigolo, baba, baba, baba. Non, c'est pour ça, tu sais, Suchard, tu devrais faire comme moi. Je te dis, HTTP, deux points. // www.mitoc.fr. C'est simple l'amour, hein. Toi, t'es pas grand, t'es pas froid, t'es pas beau, mais je t'aime. Car tu sais me parler gentiment, et j'avoue, j'adore ça. Ça va? Ouais, ça va, tu vas pas nous demander à chaque fois. On t'a dit une fois, ça va, bon. Et vous savez, hein, moi je fais l'idiot pendant toute la soirée, je dis des bêtises et tout, mais je suis comme vous, hein, je vois les horreurs du monde. Hein. Ouais, ça plombe la soirée, ça, je sais. Ouais. Non, mais regardez, vous voyez, là j'ai une pile de journaux, bon. Une pile de deux, bon. Et vous prenez n'importe quel journal, n'importe quelle page, c'est tout le temps des horreurs, tout le temps. C'est paniquant, regardez. On va prendre une page au hasard. Je sais pas, alors voilà. PSG, bon. PSG, c'est une horreur quand même. Hein. Quoique ces temps-ci, ça va, meilleur résultat quand même. Hein. Zéro mort, donc ça va être... Bah, zéro mort par match, moi c'est un bon résultat, je trouve. Hé, hey, vous avez vu cette affaire-là, c'est arrivé il y a deux mois et demi. Il y a un mec en prison, il a bouffé son co-détenu. C'est bizarre de faire ça, non? Il faut pas manger les gens, enfin. Mais pourquoi il fait ça? Mais c'est dingue d'en arriver là. Et moi je dis, ça devait être vraiment dégueulasse à la cantoche. Hein. C'est fou, non? Après Prison Break, Prison Breakfast. C'est dingue, non? En plus, le pauvre mec qui s'est fait bouffer, lui, ça se trouve, il avait commis un délit mineur, bon, il avait chouré un sac ou quoi, il se fait bouffer, c'est sévère quand même. Non, Ouais, c'est un peu dur. En plus, il a dû dire, bah non, mais t'es pas avec ce psychopathe, il mange des gens, ah bah ouais, mais il n'y a plus de place, c'est comme ça. Ah, c'est hard, hein. Oh, c'est pas vrai. Quoi?
Ah non ! C'est pas vrai ! Verseau. Il y a des Verseaux ce soir ? Ouais, y a pas beaucoup de Verseaux, c'est marrant, hein ? C'est bizarre qu'il y ait... Faudrait que je fasse un tableau un jour pour voir, alors, il y a plus de Verseaux... Qui... Des... On s'en fout. Bon, alors, il y a des poissons, par exemple, des poissons ? Ah, un véritable banc. Non, les gens payent. Alors, Verseau. Après une semaine, en demi-teinte, vendredi soir, à l'Olympia, vous vous éclatez, puisque vous découvrez un comique hors pair, sans doute le meilleur de sa génération. C'est pas vrai, comment fait-il, en plus d'être beau... Non, je préfère pas terminer, c'est gênant. De toute façon, bon, vous y croyez à l'astrologie ou pas ? Il y a des gens... Ah, il y a du oui, il y a du non, il y a du... Oui, oh, je sais pas. Tu crois à l'astrologie ? Oui, oh... Oh, tu sais... Oui, oh, je sais pas. Personne ne fait ça dans la vraie vie, hein. Personne ne fait... Oui, oh, je sais pas. L'astrologie, je sais pas, vous savez, l'autre fois, j'étais dans un café comme ça. Bon, il y avait une jeune fille qui pleurait. Et il y avait sa copine en face d'elle qui lui faisait « Mais attends, mais je veux dire, mais c'est normal. » Attends, c'est quoi son signe, Arnaud ? Bélier ? Cherche pas. Qu'est-ce que c'est que cette explication de merde ? Vous en connaissez des gens qui font ça? Ah, ben c'est clair, j'en sais pas. En plus, en ce moment, il a plein de Mercure dans sa lune, je veux dire. Forcément, ça l'irrite. C'est fou, hein, y a que des horreurs tout le temps, partout. Hein. Quand je vois tous ces conflits dans le monde, je me dis, mais c'est dingue, quoi. C'est vraiment incroyable. Inénarrable. Ni juif, hein. Ah, vanne qui divise le public, hein, vous voyez, peut-on rire de... Non, c'est pas. Moi, quand je vois tous ces conflits dans le monde, j'ai envie de dire, mais vous, humains de tout horizon, vous, les blancs, les noirs, les juifs, les arabes, les pieds noirs, les peaux rouges, les pattes blanches, les samérindiens, les indiens de sa mère, les uns, les francs, les un francs... Les afro-antillais, les afro-jojo, les aztèques, les tartares, les aztèques tartares, bien sûr. J'ai envie de dire, vous, humains de tout horizon, s'il vous plaît, lâchez-nous la grappe. Ah non, c'est pénible maintenant, alors, hey, qu'est-ce que ça veut dire se disputer tout le temps? Eh ben non, eh ben je suis pas content. Eh, je fais la grosse voix. Eh, je fais les gros yeux, oui. Alors, tu veux bien lâcher cette bombe? Enfin, lâcher. Alors. Je suis pas content, hein. Alors, on a un melting pot ou on a un melting... papote, alors. Non, je vous la facture pas, celle-là. Bon, et... Non, mais c'est fou, hein. Personne n'est content de son sort. Tout le monde conteste tout le temps. Il y a même des Afro-Américains qui ont carrément inventé une musique, hein, pour contester, le rap, hein, musique ultra contestataire, hein, avec des paroles contestataires telles que suck bitch, oui, que vous aurez traduit de vous-même, bien sûr, hein, chaussette plage, chaussette plage. Qu'est-ce que l'auteur cherche à nous dire ? Envie de nous faire partager, si vous voulez, son désir d'évasion face à une société trop opprimante. Envie de marcher en chaussettes sur la plage. Suck bitch. Et on voit aussi dans les clips de rap, hein, je pense que vous avez déjà vu des clips de rap, comment ça se passe, comment les rappeurs contestent, c'est toujours un peu... comment ça se passe? Bon, en général, ils font des soirées dans leur maison. Hein, mais attention, c'est pas la maison des petits cochons. Hein, ah non, c'est la maison des gros porcs, en général. Hein,
Et donc, bon, bah, c'est des soirées, donc ils invitent des filles, hein, mais ils invitent pas trois filles, hein. Il y a un pourcentage de nanas dans ces soirées. Je suis perplexe, hein. Moi, je dis, la parité n'est pas respectée, hein. Ah non, 4 mecs, 60 nanas. Bon. Et alors, je pense que les clips, ils les tournent pendant les canicules. Ah, toutes les nanas sont en slip. C'est bizarre de venir comme ça, non? Non, mais franchement, quand tu fais une soirée chez toi, t'as beaucoup de nanas qui viennent en slip? Mais personne ne vient en slip à une soirée, enfin! Moi, je suis perplexe. Ou alors, si, attention, tu préviens, tu fais des flyers, attention, soirée slipe. Mais personne ne vient. Voilà, bon, admettons, il fait super chaud, bon, ils se mettent en slip. Ok. Mais alors pourquoi les mecs, ils restent en doudoune et manteau de fourrure? Ils en peuvent plus, les mecs, ils sont comme pas... En plus, tu crois que pour lire l'heure, ils ont une montre de merde? Ils ont l'horloge de la gare de Lyon autour du cou. C'est pas pratique! C'est comme si nous, au lieu d'avoir un portable, on avait chacun notre cabine téléphonique comme ça. Je suis perplexe. Hein. Alors, il y a une constante aussi dans les clips de rap, c'est les liasses de billets. Ah oui, les rappeurs ont énormément de liquide sur eux. C'est fou d'avoir autant d'économies sur soi, non? T'as envie de dire, les gars, la caisse d'épargne! Et en fait, ils font un truc tout à fait cocasse avec leur argent. Alors c'est bizarre, ils ont des liasses de billets dans les mains, comme ça. Et ils... C'est cocasse, hein. Ils tapent sur les fesses des filles avec... C'est cocasse, hein. Les filles, elles sont comme ça. C'est bizarre, eux, ils sont... Sans doute une manière de contester. Oui, la société. Ah là là. Ben, ils sont pas contents, quoi, les mecs. Alors moi, l'autre soir, bon, j'étais chez moi, comme ça, j'étais pas content. Envie de contester. Je dis à ma copine, mets-toi en slip. Ça va pas, me dit-elle, qu'est-ce qui te prend, s'il te plaît? Je dis, s'il te plaît, Moumoun, tape le slip. Une demi-heure de négociation. Elle finit par se mettre en slip. J'enfile mon anorak. Et je me dis, merde, les billets. Ah d'accord, je cherche dans tout l'appart, je trouve deux pauvres billets de 5 euros. Bon. Qu'à cela ne tienne, j'ai mis la musique à fond les ballons. Et j'ai commencé à contester comme ça. Pas pareil. Pas le même rendu. Je sais pas, alors c'est peut-être à cause de la musique que j'avais choisie, hein, parce qu'en fait, j'ai pas de rap à la maison, donc... Vois sur ton chemin, comme un oublié dégaré, donne leur la main pour les mêler, faire d'autres dans tes mains, cœur de la nuit, sentier de gloire. Sentier de gloire avec ma copine comme ça... Là, y'a des vinyles, des conneries, là. C'est bon, enlève ton slogué, c'est bon.
Je sais pas, personne n'est content de son sort, tout le monde conteste partout. Alors on peut se dire, oui, mais un jour, quand tout le monde sera métissé, quand tout le monde sera mélangé, ouah, ça ira mieux. C'est pas dit, hein, vous savez. Hein. Parce que même un métis, il peut être en conflit avec lui-même. Tel un poisson-chat. Ah bon, on n'y pense pas. Mais un poisson-chat a-t-il peur de lui-même? On sait pas. Et peut-être ça le gonfle son état. Peut-être il est là, merde, comme ça. Ah. Mais c'est chiant, je suis un poisson, j'ai des moustaches, c'est lourd. En revanche, le métissage chez les humains, je trouve que c'est bien fait. Hein. Non, c'est pas le sujet, arrêtez. Oh. Non, je trouve que c'est bien fait, je m'explique. Par exemple, un mec qui a un parent noir et un parent blanc, eh ben en fait, il est pas moitié-moitié. Là, vous dites, il est complètement débile, ce mec. Bien sûr, parce que nous, on en a vu plein des métis, alors on sait comment ça se passe. Hein, ouais, mais les premiers qui ont essayé, ils ont bien dû flipper. Hein, Mais d'où l'expression « flipper sa race », ça vient de là. Vous savez pas, les mecs ça, mais comment va sortir l'enfant? On sait pas. Peut-être à la verticale, zébré, tacheté, peut-être. Et non, en fait, ce qui est dingue, c'est que les gènes s'organisent pour harmoniser le résultat. C'est balèze, quand même. Il hein. n'y a pas deux couleurs distinctes, quoi, comme dans un chocolat liégeois. C'est touillé. C'est fort, hein. Alors, c'est vrai, on voit pas un mec, par exemple, le mec, bon, suédois. Bon, le mec. Bon, le mec, suédois. Suédois, 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 puis à partir de là, togolais. On n'en voit pas. Eh ben non, parce que c'est bien foutu. On voit pas un mec, le mec japonais, super bien japonais, et juste, il est crépu. Ah, y en a pas, vous chercherez, y en a pas des japonais crépus, hein. Et de la même façon, il n'y a pas de noir avec une coupe au bol. En principe, évidemment. Non, mais c'est fou. Ou alors, je sais pas, juste un membre de couleur. Tu prendrais quoi, toi? Ou deux. Le mec tout blanc, juste les mains noires. Wow, sympa tes gants. J'ai pas de gants. Ah, c'est dingue, évidemment, pour nous, c'est super logique, mais bon... Et le premier Sénégalais qui a fait un enfant à une Chinoise, il a dû se poser des questions. Oh, comment va sortir l'enfant? On sait pas, peut-être une jambe qui fait du karaté, une qui court vite. Oula! Ou non. En plus, t'imagines le conflit intérieur pour cet enfant. Sachant que les Chinois sont hyper travailleurs et les Noirs des grosses feignasses. Je vais travailler, pas tout de suite. Pas une vie pour un gosse. Bon allez, prenons les extrêmes. Le gamin, père sumo, mère pygmée. Mais déjà, ça prête à sourire. Mais en fait, le gamin, il va pas sortir avec des toutes petites jambes comme ça, recouvertes d'un amas de graisse, comme ça. Barbapapa, comme ça. Se transforme à volonté, cours long carré. On n'en voit pas des barbapapas. Vous chercherez, on n'en voit pas. Mais parce que c'est bien foutu. Et j'ai remarqué aussi qu'un métis n'avait pas deux accents. Ah ben prenons, je sais pas, par exemple, un mec qui aurait un père pied noir et une mère antillaise. Ben, il va pas faire « Putain, Simon, sur ma vie! J'ai les boules qui montent !» Il est déjà 10 h du matin. Il faut ouvrir le magasin. Simon, quand on dit 8 h du matin, c'est pas 8 h du soir. Merci, bonsoir.
Qu'est-ce que vous faites? Vous avez pas parti. Ouais. Non, mais moi aussi, tu sais, ça me fait comme toi, des fois, tu sais, j'ai les fesses trop collées sur le cœur. Je peux plus, je boue et tout. C'est pas... Bye. Ah ouais, d'accord, tu veux rester, bon. C'est pas ça qu'on va faire. Ah oui, regarde. Oui, ça c'est un chromie. Parce que tu sais, j'ai oublié de vous dire, ce spectacle est également soutenu par rire et chanson. Alors, il y a eu du rire. Ah ouais, je me lance, hein. Mais attends, je préviens, je suis pas chez même body, hein. Alors, comme vous vous doutez, hein, il n'y a pas de chorégraphie, hein. Comment c'est lourd, ce truc, là. Tu sais, je me suis démis l'auriculaire. Et c'est pas du hard rock, hein. Hé, hey, Renaud, fais tourner. Wouh! Allez, tout le monde est prêt? Alors, couplet soporifique. C'est quoi? Moi, c'est, je suis comme piqué par une mouche, c'est, moi je refuse les journées rudes, je préfère la tranquillitude. Ok pour métro, boulot, dodo, si on enlève les deux premiers mots. Oui, viens, ça fait coin sur mon canapé. Viens, ça fait coin, il faut que tu fais tourner. Oui, viens, ça fait coin sur mon canapé pour faire tourner machine à laver. Attention au couplet explicatif de pourquoi je suis ça comme. Déjà petit, c'était pas possible, je pouvais pas sortir de mon convertible. Pour l'école, j'ai souvent raté le bus, ça a un peu ralenti mon cursus. Si j'avais le bac, peut-être ma vie serait mieux, mais pour passer son bac, faut déjà passer le CM2. Oui, viens avec moi sur mon canapé, viens avec moi, il faut que tu fais tourner. Oui, viens avec moi sur mon canapé pour faire tourner des bouteilles de lait. Attention, un couplet érotique. C'est quoi? Moi, j'aime bien les meufs, je voudrais en avoir une ou deux ou neuf. Mais les filles veulent faire ceci ou cela, elles sont vénères et veulent que je bouge de mon sofa. C'est pour ça, je dis franchement, c'est celle-là qui me faut, c'est la belle au bois dormant. Oui, viens avec moi sur mon canapé, viens avec moi, il faut que tu fais tourner. Oui, viens avec moi sur mon canapé pour faire tourner tout ça que vous voulez.
pratique le karaté. Moi je pratique le canapé. Oui dessus je suis comme sur un petit nuage. Viens avec moi partager mes rigolages. Assois-toi là, oublie les prises de tête. Si t'as les boules, moi j'ai la boulette. À vous! Sur mon canapé, viens avec moi, il faut que tu fais tourner. Encore, viens avec moi. Sur mon canapé, pour faire tourner. Attention maintenant les filles! Viens avec moi, sur mon canapé. Si tu veux, viens avec moi, il faut que tu fais tourner. Encore, viens avec moi, sur mon canapé. Pour faire tourner, attention maintenant les bonhommes. Viens avec moi. Sur mon canapé, viens avec moi. Encore. Viens avec moi. Sur mon canapé, pour faire tourner, attention maintenant ensemble. Viens avec moi. Sur mon canapé, viens avec moi. Il faut que tu fais tourner. Oui, viens avec moi. Sur mon canapé. Chantez. Je ne vous entends pas. Feignant. Paresseux. Un petit souci. Adja. Laetitia. Debbie. Marion. Merci mesdemoiselles. Il ne me reste donc plus qu'à vous souhaiter un excellent retour et à vous mettre à chacun un pouce en l'air. Pouce en l'air, merci beaucoup. À bientôt.